Tout le monde cache des choses. Parfois, c'est la seule façon de protéger ceux qu'on aime. Je te connais. Le tueur de Dieu. Qu'attendez-vous de moi? Est-ce un dieu de la guerre que vous cherchiez? Tu ne souhaites pas la guerre. N'est-ce pas, Kratos? Tout se sent sur tes mains et celles de ton fils. Qu'est-ce que tu refuses de me dire? Je peux pas t'en parler! Mais tu dois me faire confiance! Nous nous plions à tes caprices! Mais tu crois à rien de tout ça! Et pourtant je te suis! Parce que tout ce qui compte, c'est que tu sois sauf! Mais c'est pas tout ce qui compte! Qui te protège, hein? Je n'ai pas besoin que tu me protèges. T'en es vraiment sûr? Que imposteur! Le père de tout! La mort pourra me prendre quand elle l'aura mérité. Que prétends-tu savoir de la divinité? Au cours de tes vies, as-tu jamais été vénéré? Quelqu'un t'a-t-il déjà prié? Peux-tu seulement imaginer ce genre d'amour? Non! Tu ne t'intéresses à rien d'autre qu'à ta personne, qu'à ce monstre qui tue sans aucune raison. Tu n'es lié au destin que si tu l'acceptes. Fais-le parce que c'est nécessaire. Pas parce que c'est écrit. Façonnerons notre propre destin. Du moins, à qu'on sache. Pas. Et les petits trucs qu'on a vus tout à l'heure. Voilà. Après ces rochers, il y a une doline. C'est là que nous allons. Nous devrions... Quelque chose ne va pas. Personne ne croyait que ce lieu existait. Ils vont être drôlement surpris. Loki, tu ne dois parler à personne du bois de fer. Pas même à ton père. Si ce lieu est en sécurité, c'est avant tout parce qu'Odin ne le cherche pas. Je peux tenir les animaux à l'écart, mais si Asgard devait débarquer... Je comprends. Désolé. Je n'en parlerai pas. Tola. Où est-ce qu'elle m'emmène là encore? On a de la visite. Oh. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Où est-ce qu'elle m'emmène? Il y a un truc qui vibre. Regarde la doline qui approche. Elle est pleine de créatures. Avant, au fond, je trouvais un tas de ressources pour peindre. Ah oui? On devrait les chasser. Ton matériel de peinture est précieux. Si tu en as envie, bien sûr. Oui. Pourquoi pas? Lynn. D'accord, ok. Bon, on va descendre. Parfait. Oh, mignon. Hey.
Hey, j'ai... Tu es une fleur ? Oh, c'est... C'est pour toi ? Merci, mais... Garde-la. Oui, bon, on cherche des nids de calamité. C'est là que je trouverai les ressources dont j'ai besoin. Alors... Oh, bon, une fleur, ça lui va pas. Elle est contente, la gonzesse. Il fait tellement noir ici. Je vais arranger ça. Ouais, des torches pour allumer. Des calamités, il y a tout un lit. Elles sont partout ici. En allumant plus de torches, nous pourrons les voir, les éliminer et ramasser ce qu'elles nous laissent d'utile. C'est parti. Passe devant. Moi, j'allumerai les torches. Hop. Ça devrait aider. Et voilà. Il fait bien plus froid ici. Tu devrais voir Midgard. Allumons. Je crois que nous approchons d'un autre nid. Fais-moi signe si tu vois d'autres torches. Je les allumerai pour qu'on puisse avancer. Mon petit coffre. Ok. Et alors ? Ce serait facile de se perdre ici, hein ? C'est bon, on s'en sortira. Pas où je peux aller d'autre après. Thank you.
ça sent un peu bizarre. Comme l'eau croupie. Comment te sens-tu? Bon, ça c'est l'entrée. Ouvre bien l'œil. Il y a peut-être... Regarde! Qu'est-ce que tu disais? Oh. Je m'en occupe. C'est bon. Entends. Qu'est-ce que c'est? Je couvre. Je t'assure que cet endroit n'a pas toujours été agité. Que la lumière soit. Bon prix. Je perds le coffre. Récupérons. J'ai rien. Ah, c'est pas gentil. Casser le cul, ouvrir un coffre juste pour me faire attaquer. Attention, les nids ne sont pas tous en bas. Ils peuvent se trouver plus en hauteur. D'accord. J'ai un truc là. En voilà une autre. Elle doit venir de là. Je te couvre. Et lui, j'ai donné que leur truc. Sûrement un des derniers. Il me reste encore un à faire de nid. Nid de machin là. Et ça me ramène là. Je m'en occupe. Que la lumière soit. Là, ça m'amène ici, ok. Alors, du coup, nous allons aller vers là-bas. J'ai fait tout ça pour ça. Ok. On va essayer de remonter. Et là, il y a un...
si tu venais avec moi. Où ça? Midgard, les autres royaumes, n'importe où. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mes animaux ont besoin de moi, mais... c'est gentil, Je pense qu'il y en a un autre pas loin. Ouais, justement. Je te couvre. J'entends un nid pas loin. Il faut juste qu'on trouve comment l'atteindre. Qui a trop ? Je peux le faire là ? Ah, je peux le faire. Bizarre. Bon. Attends, parce que. Il était par là. En voilà une autre. Est-ce que ça sent le coup fourré là? Quelle est ta couleur préférée? Je ne dois en choisir qu'une. Pas si tu en as plusieurs. Non. Bleu. Peut-être vert. Mais le jaune est beau aussi. Ah, mais comment ne pas choisir le rouge? D'où vient tout ça? Oui, il y a un autre nid derrière. Moi, j'accède. Écoutez. Comment j'ai fait? Merde alors, il y avait un nid, j'étais montée. Ça a fait, mais je l'ai fait. Ça m'amène là. Oh, j'ai d'où je viens. Et d'où je viens. Là, j'ai récupéré ça. Comment je fais pour récupérer l'autre coffre? Ça, je fais que remonter. J'ai loupé un passage.
Là, c'est ça. Là, ça me fait monter en haut. Merde. Il est où l'autre? Where is? Where is l'autre? Aïe. Je suis remontée, mais de toute façon, ça me fait arriver. Ouais, ça m'a fait arriver là. Il y a un trou dans le mur. Tu peux voir à l'intérieur ? Oui, je peux voir, mais... Viens pas ! Mais ça, je ne rentre pas dedans. Mais ça, je ne rentre pas dedans. Il est juste là. Moi, je peux pas. Ah ok. D'accord, il fallait juste que je dise plus bas. Je m'en charge. Voilà. Je crois que c'était le dernier. Merci. Est-ce que tu te sens mieux? Un peu. Repartons. Non, on fait toutes les bébêtes. Montre-moi la sortie. On va se taper un monstre en sortant. Ah, une Bergstrasse. C'était sûr que des décennies énerveraient quelqu'un. Vous n'avez pas le choix. Ça ne change rien pour elle. Attrape ça. Dis Alpha!
m'en charge. Ça va? Oui, oui. Et toi? Prête à sortir d'ici. Rentrons à la maison. Ok. Ok. J'aimerais bien, mais... Je peux prendre la corde. Attends, t'étais devant là. T'es devant. Voilà. Tu sais, je pensais que connaître ma destinée changerait quelque chose. Mais je suis toujours moi. C'était pareil, Tu seras toujours celui que tu es, Loki. Il s'agit seulement de l'accepter. Et toi, tu l'as accepté? Je le pensais. On rebrousse chemin? Faisons plutôt le tour de la doline, ce sera plus rapide. Ah, tu es passé par là, d'accord. Ok. J'avance pas très vite, hein. Je voulais te demander. Ta mère avait des visions. Les géants peuvent-ils tous prédire l'avenir? Certains. En rêve. Eh, oui. J'ai rêvé de Thor il y a peu. Thor? Et c'est arrivé. Il est venu chez nous. Quoi? Vraiment? Ça ressemble un peu à un cauchemar. Ouais. Un peu. Qu'est-ce que c'est? Quoi, les lucioles? C'est dangereux? T'es adorable. C'est joli, joli. Oui. Joli. C'est magnifique. On arrive juste à temps. Pourquoi? Oh, waouh! Oh, des lucioles! Je sais que ça a pu être étrange, de bien des façons, mais je suis contente que tu sois venue. Moi aussi. Maintenant que je sais comment venir jusqu'ici, je peux venir te voir quand je veux. D'accord? Quand? Je ne sais pas. Quand ce sera plus calme. Tu veux dire après le Ragnarok? Oui. Bien sûr. Je crois que je ne serai pas déportée. Allez, ma grande, tu peux y arriver. Y a quoi en haut? Un raccourci. C'est bien. Tu vas y arriver, Yala. Je crois en toi. Laissons Yala souffler. Je pensais ce que j'ai dit. Tu sais, à propos de tes peintures, tu es vraiment douée. Essaierais-tu de me réconforter?
Oui, oui. Ça fonctionne, fonctionne. Redemande-moi à ta rentrée. C'est pas trop tôt. Qu'est-ce que... Tais-toi. Il est trop tard pour te plaindre. Maintenant. Que c'est? Avançons. Qui était-ce? Qui était-ce? Grilla. Non. Bon, il roule de vaisseau par ici quand même, hein. Que lui est-il arrivé? Sans... rien du tout. Il n'y a rien à sentir. Grilla a expulsé son âme. Tu sais où elle vit? Que vas-tu faire? J'ai enterré trop de loups cet hiver. Suis-moi. Vite. Oui, j'avais vu. Crever encore. Je m'en charge. En charge, en charge. Rencontrons Grilla. Ne fais rien de trop radical, s'il te plaît. Pourquoi? C'est ma grand-mère. Quoi? Elle n'a pas toujours été ainsi. T'as pas ta grand-mère? Elle a su que mon père ne ferait rien pour contrer son destin. Elle a... changé. Oui, je vois. Nous allons devoir trouver un moyen de passer. Eh bah, viens. On va passer par là. Hein. Viens, porte. Voilà. Viens. Lui qui fait tout le boulot à chaque fois. Veux-tu voir quelque chose de l'autre côté? Je regarde, je regarde. Poursuivre. Allez. Oh. Wolver ! J'ai mis la tête. Putain. Ah bah, je suis morte. Capote.
Éliminer les corbeaux spectraux. Ah si, je peux. D'accord. Wolver ! Viens pas ! Est-ce que beaucoup de géants ont vécu ici, au fil du temps ? Tu t'interroges sur ta mère. Elle a vécu une vie entière avant de m'avoir. Et j'en ignore tous les détails. Je regrette. Je ne sais rien à ce sujet. Ta mère a quitté la voie des géants bien avant ma naissance. Oh, un coffre. On va le prendre ? C'est la maison de Grilla. Pas de lumière. Elle doit être allée relever ses pièges, mais il peut y avoir des animaux à l'intérieur. Nous devons faire vite. Oh putain, j'ai eu peur! Oh le sursaut de Mongol! Il y a une autre entrée. Oh putain, vous êtes con, hein! Nous devons trouver un moyen d'y arriver. J'ai eu peur! Oh, le sursaut que j'ai fait. Oh putain. On peut sûrement monter de l'autre côté, mais je ne sais pas. C'est con, hein. Ça m'a fait peur. Tu m'as fait sursauter, hein. Et Grilla, pourquoi a-t-elle besoin des âmes de tous ces animaux ? Elle peut vivre des instants de leur vie et se sentir libre. Le souffle du vent sur leurs poils lorsqu'ils courent, ne penser qu'à chasser, trouver un abri pour dormir. On voit le truc, là. Mais rien n'est vrai. Ah. Bon. Grilla est toujours dehors. Tout est tellement grand. Où est le loup ? Il y a une porte menant au sous-sol ici. Elle y enferme peut-être les animaux. La clé est dans la serrure. Il n'y a plus qu'à la tourner. Loki. Hey, on connaît mon avenir. Il n'y est pas question de se faire tuer par ta grand-mère. Ça ne veut rien dire. Presque. Ça y est. Pas leur truc, hein. Elle voulait mettre quoi, Kazart ? Elle voulait mettre des... Il y a un URL au moins. J'ai peur, hein.
Je crois que j'entends quelque chose respirer vers le fond du sous-sol. Moi aussi. Mais je n'entends pas leur voix. Ouais, donc... que je fasse le truc dès le début. Ah, c'est un clip. Ouais, tu irais voir. Ah, tu m'as pris en train de sursauter, c'est ça? Vu le bon que j'ai fait, putain, faut le faire le. Faut clipper celui-là. On doit trouver un moyen d'aller là-bas. Ouais, bisous Alcazar. Merci pour ton petit clip. J'irai voir après. J'ai déjà vu, c'est tout. Il y a un truc là pour le dos. Je vois pas. En haut, je vais pouvoir l'atteindre. Les deux grilles là. Ça aussi récupéré. Où est-ce qu'ils m'ont emmené? Je remodifie là pour les liens URL, voir que je regarde un peu. Je ne ressens rien. Comme pour l'autre. Elle a pris son âme. On ne peut rien faire pour elle. Tiens ça. Qu'est-ce que tu... Il n'y a pas un géant que tu aimais. Pas trop. Quoi? Non, rien. Celui-là. Non, non. Arrête. Ta mère a dit que je saurais quoi faire. Oui, le moment venu. Je viens de te les donner. T'as raison, mais... Ils ne peuvent pas rester cachés, non? Faut pas le laisser mourir comme ça. Tu es sûr? Non. Non, mais c'est pas. En fait, je ne sais pas comment m'y prendre. D'accord. On essaie ensemble. Il va réanimer un anaconda.
va où? Ça a marché? J'en sais rien. Tiens. Quoi? T'abandonnes déjà? C'est ta responsabilité. Non, c'est pas ça. Vraiment. C'est juste... qu'il vaut mieux que tu les gardes. Loki. Tu en es certain? Je m'appelle Atreus. D'accord. Et... Repartons. Il faut remonter les escaliers. Désolé, je voulais pas... Nous devrons sortir par où nous sommes entrés. Elle ne doit pas savoir qu'on est venu. Nous remettrons cette tasse à sa place en passant. Sacrée marche, hein. Nous devons fermer la porte. J'arrive. Bien. Cache-toi. Arrête de gémir. Dans un instant, tu auras tout oublié. Mais elle veut les tuer. Parce qu'on va l'en empêcher. J'ai évité ce moment trop longtemps. Elle va... Comment elle va faire? Tu sais. Tu devrais me remercier. À quoi bon s'encombrer d'une âme? Ça n'apporte que de la tristesse. Je t'envierai presque. Regarde, le chaudron. Sans lui, elle peut rien faire des âmes. Je vais la distraire. Toi, libère le loup. Ensuite, on brisera son chaudron. Tu es sûr de toi? Non. Mais on peut pas rester caché là. Vas-y. Hé, grand-mère! Tu étais prévenue! Je t'avais interdit de revenir! Cause toujours, regarde-moi! Il y a tant de choses que j'ai oubliées, mais tu refuses d'en faire partie! Oh mais... Tu n'es pas venu seul? Loki! Sortez de chez moi! Il n'a aucun sens. Par ici. J'ai pas eu peur à celui-là. Courez! Monte par là, on peut rejoindre la cuisine. Oh. Où êtes-vous? T'es sûr de vouloir y retourner? Je te le dis, il le cherche. Je vous entends. Elle va trop vite, elle, mais j'ai pas le temps de réagir. Là, il faut détruire ce chaudron. Tu peux traverser? Où es-tu? Tu te caches? Tu
aurais dû rester avec tes peintures, Camille. Ne touche pas à ça. Le champion des Yotnar. Dans ma modeste demeure. Tu en profites avant que ton père fasse l'arme à gauche. Ne parlez pas de mon père. Tu seras parfait en laquais d'Odin. Taisez-vous. Ce sera un si bon père qu'il te fera oublier le tien. On n'a rien de temps. Taisez-vous. Springan. Oh, pourquoi me tourmentes-tu, Camille? Il faut que ça cesse. Maintenant, attaque le chaudron. Pourquoi es-tu venu ici? Dragahad, on dit. Je dois pas rester au sol. Vous êtes des géants minables. Tous les deux. Faites bouger là-bas, ça l'assommera peut-être. Tenez la touche. Mais j'ai honte d'être ta grand-mère. Arrête, ne pas. Non. Ne m'approche pas. Oh merde. Elle me fait chier la grand-mère. En évitant les surfaces clignotantes, bah oui. Ah ça va, ça va. Oh, je dois pas rester au sol. Vous êtes des géants minables, tous les deux. Faites bouger là-bas, ça la sommera peut-être si je la touche. Elle est assommée. J'ai honte d'être ta grand-mère. Faut que je me fasse la vieille. Faut que je me fasse la vieille. Je dois pas rester au sol. Vous êtes des géants minables. Tous les deux. Cette bougie là-bas, ça l'assommera peut-être si je la touche. Elle est assommée, Atreus. J'ai honte d'être ta grand-mère. Arrête, tu ne penses pas. Vous ne toucherez pas à mon chaudron. Garbouda, attention! Descends du comptoir. Ne m'approche pas. Putain, la moitié. Quoi ça?
Ah ouais, c'est pas sympa, non. Je dois pas rester au sol. Vous êtes des géants minables. Tous les deux. Cette bougie là-bas, ça l'assommera peut-être. Mais la couche. J'ai honte d'être ta grand-mère. Arrête, tu ne penses pas. Prépare. Ne m'approche pas. Charges-tu contre moi, petite fille? Je ne t'ai rien fait! Tu ne peux pas continuer à voler des âmes! Ce ne sont que des animaux! Allez, t'assommer, tire sur le chauffeur, vite! C'est tout ce que j'ai! Yozo, Bloopa! Garbuda, attention! Descends du comptoir! Qu'est-ce que je t'ai fait? Laisse-moi tranquille! Ça devrait dissiper sa magie! J'aurais dû te jeter en pâture au loup, après t'avoir tiré du ventre de ta mère! Va-t'en! Fiche le camp! Non, non. Allons-nous-en. Tu crois avoir accompli quelque chose, petite fille? Sache que tu n'es rien. Et personne ne se souviendra jamais de toi. Pas même Loki. Tu ne seras qu'un chapitre oublié dans son histoire. Il sera trop occupé à pleurer son père. Si je te revois, tu regretteras de ne pas être morte avec tes parents. Sympa la grand-mère. Sympa, Jo. J'aime bien. Tu es sûr qu'on fait bien de la laisser ici? Si jamais elle venait te chercher. Je l'ai laissée à manger avant. Quoi? Elle disait qu'elle n'en avait rien à faire de moi. Parfois, quand je me réveillais,
Il y avait un pain posé à côté du feu. Il était cuit comme elle seule en avait le secret. Ce n'est pas un monstre, tu sais. Elle est perdue. Tu veux marcher? Tu veux marcher? Tu devrais rentrer. Tu es parti plus longtemps que tu ne le crois. Et on va rentrer à la maison. Ça va. Ça devait arriver un jour. Nous ferons rentrer une fois de l'autre côté de ce passage. D'accord. En deux manches gagnantes. Atreus. Une course. Allez. Je sais ce que t'essaies de faire. Tu prendrais ta revanche sur la dernière fois. La dernière fois, c'est moi qui ai gagné. Je suis sûre du contraire. Viens faire signe de temps en temps. Alors prouve-le-moi. 1, 2, 3, partez. Allez. Alors tu viens ou pas? Allez. Mon renard. Oh non, tu triches. Attention au virage. Aucune idée de ce que tu dis. Ce chant sent toujours merveilleusement bon. C'est sûr que ton nez est plus fin comme ça. Laisse pas distraire. Tu vas vraiment attendre de laisser gagner. On doit aller là. Pour le départ de mission. Les pattes ne t'emmèneront départ pas de plus mission. Loin. Hey ça, plus vite. Départ de on mission, va la voir. La plupart, ils tous se sont, hein. Non, je ne crois pas. Vous avez vu, les gars, je fais une coupe partout, s'il vous plaît. Ah, d'accord. J'ai dû me donner au maximum cette fois. Te donner? Tu étais sur un renard magique. Loki, Atreus. Merci. Je suis désolé qu'elle ait été dure avec toi. Moi aussi. Oui, moi, faut que je rentre à ma baraque. J'imagine que tu veux rentrer chez toi. Je te retrouverai à la fresque quand tu seras prêt. Je suis obligé de partir. Uniquement si tu le souhaites. La prophétie ne. Tu n'y crois toujours pas, hein? J'y arrive pas. Enfin, tu penses que je suis stupide? Je pense que tu tiens beaucoup à ton père et que l'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose t'est insupportable. Viens. Je veux te montrer quelque chose. L'Ophée. Ma mère. La vie. J'aimerais qu'il ne soit pas vide. Mais... je sais ce que ça fait. De perdre un parent. Et même deux. Ta mère n'est peut-être plus là, mais ton père... tu as encore le temps de lui dire au revoir. Je comprends ce que tu veux dire. Et je te remercie. Vraiment. Mais... J'en sais rien. J'ai du mal à croire qu'on soit des pages d'une histoire déjà écrite.
Qu'est-ce qui va t'arriver? Je ne sais pas. Je te l'ai dit. Quand tu seras parti, mon rôle sera terminé. Alors, tu peux rester. Je crois que c'est à toi de décider de ton rôle. Qu'est-ce que tu vas faire? Aucune idée. Aucune idée. Mais je peux pas laisser mon père mourir. Il faut que j'y retourne. Les étoiles sont différentes. Non. C'est toi qui es différent. Je sais qu'on se reverra. Bien sûr. Maintenant, ferme les yeux. Et serre la force dans ta main. Ne la lâche surtout pas. Ta maison. Visualise-la. Et répète-le. Maison. Comme ça. T'es vraiment retenu à la maison là. Ah, même pas peur. Autre maison. Quoi, c'était qu'on cassait la maison, Rejoindre Sindri et trouver un moyen de sauver mon père. Et garder le secret sur le bois de fer et Hunger Buddha par-dessus le marché. Dans quoi je me suis fourré? Ok. Pourquoi c'est foutu encore? Il a fait peur pour ça. Je voulais aller voir Fenrir. Pendant deux jours. Arrête de mentir.
pourquoi je te trouve ici. Tout seul. Cherches-tu à mourir? Pas plus que toi. Pourquoi? Parle. Qu'est-ce que tu refuses de me dire? J'ai tenté de suivre cette voie avec toi. Nous nous plions à tes... Mais tu crois à rien de tout ça. Et pourtant je te suis. Parce que tout ce qui compte, c'est que tu sois sans... Mais c'est pas tout ce qui compte. Qui te protège, hein? Je n'ai pas besoin que tu me protèges. T'en es vraiment sûr? Qu'as-tu appris? Je peux pas t'en parler. Mais tu dois me faire confiance. Moi, malgré tes secrets, je te crois. Ce n'est pas pareil. Pourquoi? Tu cachais des choses. Mère cachait des choses. Tu avais tes raisons, et moi aussi. Pourquoi tu ne veux pas? T'as un écho dessous? Plus tard. Ouais, là, je suis encore avec elle. Ce chien a fini par le faire. Je ne peux pas vous combattre. Tu as le son qui sort de ton écran en plus de l'avoir dans ton casque. Non, mais ça doit être à mon avis le... Attends. Si je faisais ça, j'avais plus le son de l'audio. Mais je peux pas faire autrement. Si je fais ça... Non, pas ou pas. Oh, vous allez prendre des trucs là. Je sais pas quoi. Bah, elle m'a tué. Non. Va pas me sauver, non. Par contre, après, je sais pas. Ouais, c'est pas 5 heures pile non plus, hein. Je bute l'autre et puis j'arrête, quoi, mais... Donc, Après, moi, je sais pas si vous avez le son, maintenant, mais... Vous avez oublié. On n'a encore jamais croisé cette Valkyrie, petit. Comment le sais-tu? Elle a un corps matériel, elle est différente. Ce chien a fini par le faire. Je ne veux pas vous combattre. Est-ce que t'as le son des... Et comment on recule? D'ailleurs, ça fait ça à chaque fois. Pourquoi vous faites ça? Nous avons déjà battu des Valkyries. Nous recommencerons. Oh.
pas de l'ennemi. Pas de moi. Compris. Du poison, évitez-le. Je peux vous libérer. Oh, elle m'a l'air bien assez libre. On l'a échappé belle. Les intentions sont bonnes. Un père sauvé. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Je perds après. Imaginable. Atrice, c'est pas ce que tu veux. Calme-toi. Contrôle-toi. C'était notre ami. Vous avez l'écho là ou pas? Avez-vous l'écho et les sons? Atreus. Tu es blessé. Vous avez réessayé? Peut-être. Pour l'instant. Ouais, faut que je voie ça. Tu me seras plus utile. Vivant. Violent, c'est avec Cam. Atreus, rentre. Quoi? Vraiment? Tu me diras la vérité à mon retour. Pour l'heure, je dois arranger ça. On l'emmène. Oh, Votre Majesté. Quel plaisir de vous revoir. Broadleifer. Et ne le quittez pas des yeux. J'ai compris, petit gars. Avance plus vite que ça. Qu'est-ce que tu veux? Je refuse de rester lié à ce royaume. Nous partons pour Vanheim. Bon, ben je crois qu'il n'y a plus que nous. Oh. Et un passage pour Vanheim, c'est parti. Buzzer Führer ou bravoure? La bravoure emploie la rage pour soigner plutôt que blesser. Sélectionnez votre usage de la rage à tout moment dans le menu armes. Comment voyageras-tu si tu es prisonnière? Jusqu'à ce que je trouve ce dont j'ai besoin, j'ai préparé un sortilège qui m'empêchera d'être attirée hors du royaume. De quoi s'agit-il? De la source de magie qui me lie à Midgard. Nous allons la trouver et la détruire. Je t'aiderai. Mais cela ne changera rien à ce que j'ai fait. Je sais.
Je déciderai de ton sort quand nous en aurons terminé. Bon, qu'est-ce qu'on attend ? J'ai rattrapé. Bon, bah écoute. De toute façon, tiens, on va se laisser là. Parce que moi, après, je dois aller récupérer mes enfants à l'école. Arrête là. Ouais, tu as souvent, c'est donner le mot. Parce qu'après, je vais récupérer les marmots. Bah, il n'y a personne à raid, alors. Comme ça, c'est réglé. Bon, écoutez, bah, je vous laisse. Merci à vous, en tout cas, d'être passé sur ce live d'après-midi. Bah, je pense qu'on fera toujours la même heure demain, 14-17h. On fera la même heure demain, 14-17, je disais. Allez voir le clip là, qu'a fait Alcazar. Je sais pas si t'as été le voir, Black Pearl, mais Alcazar il a fait un clip à mon avis quand je suis sur route avec ton prout. voilà. Je vous remercie à tous d'être passés sur le live, aux nouveaux followers là, que je sais plus le nom qui passait, et d'avoir fait quelques beats avec les sound alertes. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse et je vous dis à demain, même heure, 14h. Écoutez, bonne soirée. C'est bon, fin d'après-midi. Et je vous laisse du coup, je vous laisse un bon app, bonne fin d'après-midi à tous et à demain 14h pour continuer God of War. Allez, bisous.